Et yo les gens, c'est Nicky Larson et Fermanga, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais nickel, on se retrouve vers une nouvelle vidéo. De toute façon, vous l'avez vu au titre de cette vidéo, donc c'est tout simplement bonne année. Et oui, je sais, c'est un titre assez, assez court et assez classique, mais voilà, ça fait le taf, voilà, on ne demande pas plus. Et ne me critiquez pas par rapport au titre, que c'est pas assez recherché. Enfin bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de t'abonner et de partager. Si vous faites ces trois choses là, bah, tout simplement vous êtes les boss. Voilà, tout court vous êtes les boss hein, depuis longtemps. Et puis c'est parti pour la vidéo. Donc les amis, voilà, c'est pour vous dire bonne année, bonne santé. J'espère que votre Noël et votre réveillon, tout s'est passé nickel de chez nickel. J'espère par rapport au réveillon, vous avez bien rempli le ventre avec votre famille. J'espère que vous avez regardé un film entre famille, voilà, etc. J'espère que vous avez bien rigolé. Et aussi, j'espère aussi par rapport au Noël, j'espère que vous avez été bien gâtés. J'espère que le petit papa Noël est venu à votre maison et vous a déposé des petits cadeaux par rapport en dessous du sapin. Donc j'espère que vous avez été gâté par rapport aux cadeaux. J'espère que vous avez eu un nouveau téléphone, des nouveaux habits, bref, des nouveaux objets donc qui vous plaisent. Et puis voilà, moi ma part, le réveillon, je suis bien rempli le vitre, bien rempli le ventre, pardon. Et aussi, Noël, j'étais gâté parce que j'ai eu mon cadeau avant Noël. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, voilà. Donc, voilà. Et aussi, j'espère l'année 2022. J'espère avec cette année, avec meilleure que l'année précédente et précédente. Donc, l'année 2019 et 2020. Parce que ces deux années-là, c'était pas des années super cool par rapport au Covid. On a eu beaucoup vraiment beaucoup de galères, beaucoup d'ennuis. Et j'espère que ça va aller mieux et que le corona il va nous laisser la grappe et partir très loin, très loin. Bon, on va le voir qui va partir parce qu'il est invisible. Donc enfin bref, donc j'espère qu'il va s'en aller et puis voilà, on va être tranquille. Donc première chose fait. Donc deuxième chose, parce que oui, il y a deux choses à vous dire. Donc la deuxième chose, c'est pour vous dire, un grand merci pour les 18 000 abonnés. Voilà, je vous ai pas remercié par rapport à ça. Voilà, c'est un stade assez colossal. Voilà, colossal. Parce que il y a des personnes, ils vont me dire, ouais, 18 000 abonnés, c'est pas beaucoup. Il y a certaines personnes, ils me disent ça. Je sais, c'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est énorme. Pour moi, je croyais pas atteindre ce palier-là. 18 000 abonnés, c'est quand même fou. Et tout ça, c'est grâce à vous. Retenez de votre tête quand même. Tout ça, c'est grâce à vous que vous fonctionnez la chaîne, que vous regardez, vous mettez des commentaires, que vous likez aussi vers les vidéos et les lives. Tout ça, c'est grâce à vous. Donc, je vous félicite. Donc, voilà. Donc, les amis, aussi, je vais vous parler aussi d'un gros, une grosse chose. C'est par rapport à mes projets de 2022. Et oui, j'ai des gros projets de 2022. Et là, c'est pas des petits, hein. Vraiment, c'est des gros. Donc, c'est par rapport à la chaîne, par rapport surtout à les vidéos. Donc, je vous dis d'avance, il y a 50% que ça va changer au futur de la chaîne grâce au projet. Je vais vous dire à quelques instants, je vais vous dire pourquoi. Donc, je vais commencer par rapport, vous savez bien que je vous ai dit, je vais faire que 17 Hunter sur cette chaîne, ceci, cela. Nicky Larson, t'as eu faux. Parce que c'est vrai que au futur des mois et peut-être un jour des années, je vais vraiment complètement changer parce que au moment donné du City Hunter, il y aura plus parce que déjà j'ai tout posté les épisodes. Angel Art, on commence à toucher le fond.
Après les films, il reste le Privatize et le Cupidon. Voilà, et ça, faut que je regarde parce que si j'ai les droits et pas les droits de, si j'ai les droits ou pas les droits, parce que vous savez bien, YouTube, ils aiment bien mettre des droits d'auteur, me balayer. Donc voilà. Donc, faut que je vais voir ça. Et puis, au fur et à mesure, j'aurai plus d'idées pour faire des vidéos. Tout et tout. Au début, j'aurai beaucoup d'idées. Au début, vous allez voir, j'aurai beaucoup d'idées. Si c'est cela, il va y avoir des explications. Par exemple, Nikki, pourquoi il est détective privé. Des trucs comme ça. Mais à la longue, j'aurai plus d'idées. Et puis, voilà. Donc, moi, j'ai décidé. Ouais, vous allez dire, t'as déjà créé une chaîne, déjà. Oui, mais je pense que je vais faire autre chose vers cette autre chaîne. Donc vous allez dire, ouais, je parle de quoi? Bah c'est par rapport à les animés. Parce que j'ai créé une autre chaîne par rapport à les animés en dehors du Nicky Larson. Bah là, je vais mettre ces animés-là et les mettre sur ma chaîne principale Nicky Larson et faire manga. Mais vous allez dire, ouais, mais tu vas poster que de ça, si cela. Attendez, c'est pas fini encore. Parce que il va y avoir des animés récents. Par exemple, il va y avoir des petits animés courts-métrages assez sympas. Vous allez voir. Et aussi des animés des années 90 et 80. Vous allez voir. Par exemple, je donne un exemple du Goldorak. Il y aura par exemple une petite séquence de 3 minutes ou 1 minute, la meilleure scène, des choses comme ça. Et moi je trouve ça peut être sympa, tout regroupé dans le même sac, parce que voilà, vous avez beaucoup bassiné. Vous avez dit, pourquoi tu fais pas du détective Conan, pourquoi tu fais pas du Cat Size, pourquoi tu fais pas du Olivier Tom? Et moi j'ai dit, bah non, c'est une chaîne spécialisée du Nicky Larson. C'est vrai, je vous ai dit ça, qu'il y aura que du Nicky Larson, mais là, au futur de la chaîne, je pense que je vais basculer. Donc voilà. Donc moi je trouve ça peut être assez sympa. Donc voilà. Et si ça se passe vraiment nickel, ben je vais créer une chaîne Twitch par rapport à les films, par rapport à les films, tout simplement animés et manga. Pourquoi? Parce que en fait je suis renseigné vers droite à gauche par rapport à Twitch, par rapport à comment ça fonctionne, c'est cela. J'ai entendu, bien sûr, les règles, c'est pas la même chose entre YouTube et Twitch. Ça, je pense que vous le savez bien, mais moi, voilà, hein, toujours en retard. Donc, j'ai entendu que je peux mettre, par exemple, on peut regarder en live et je peux laisser le film en entier, sans souci, sans de pépins. Et moi, j'ai réfléchi, j'ai dit, pourquoi pas, je crée pas une chaîne Twitch. Bah voilà, donc moi, voilà, si je vous répète, hein, si là je vais là plus tard au futur de ma chaîne, je vais poster des séquences des animés Goldorak, Olivier Tom, ce que vous voulez, si vous voulez, si tout ça passe bien, vous êtes au taquet, je vais créer une chaîne Twitch. Et par rapport, on va regarder ensemble en live Twitch par rapport à les animés et mangas. Donc voilà. Donc voili voilou. Donc voilà, c'est quand même des gros projets par rapport à ça. Ça vraiment, je vous donne un pourcentage que je vais le faire. Donc c'est un pourcentage sur 100. Allez, on va dire un petit 65 sur 100. Donc vous allez dire, ah ouais, quand même, c'est un gros pourcentage. Je vous ai dit que voilà, à un moment donné, c'est bien beau, je vais faire que du City Hunter, même du 4-side. À un moment donné, c'est bien beau, c'est cela, mais à un moment donné, j'ai plus d'idées. Et c'est dommage de s'arrêter là, dire, j'ai plus d'idées, je fais plus de vidéos. Après, vous allez réclamer, vous allez dire, hey, Nicky Larson fait manga, ça fait des mois et même des jours qu'on attend une nouvelle vidéo, on attend. Allez, refais une nouvelle vidéo. Voilà. Donc, j'ai pas envie de laisser l'abandon. Donc, je vais aller faire les choses bien, les choses nettes. Vous allez voir que ça va changer. Et j'espère que vous allez aimer. Et aussi, plus tard, si ça fonctionne, ce par rapport à mettre tous les animés vers des petites séquences, je vais désigner
Je vais désigner en commentaire. Vous allez marquer par exemple, il y aura une scène Goldora. Bah, par exemple, vous allez marquer le nom, le titre d'animé que vous voulez, le dessin, bah, bref, l'animé. Par exemple, du Olivier Tom, tout et tout. Et si je vois, il y a beaucoup de commentaires vers cette personne, qu'il y a dit ouais, ça paye bien, ou soit de beaucoup de likes vers ce commentaire-là, ben je vais désigner cette personne et je vais le mettre. Voilà, ça peut être assez sympa. Et bon, par exemple, s'il y a personne qui note, ben c'est pas grave, je vais choisir moi-même. Mais ça peut être sympa si vous choisissez vous aussi. Donc ça peut être cool, ça peut être sympa. De toute façon, dites-moi dans les commentaires. De toute façon, les commentaires, ils sont ouverts. Bon, ben voilà, ben j'espère cette vidéo, donc a été quand même assez longue, 11 minutes de vidéo, voilà, bientôt 11 minutes de vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et surtout, 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 commentez, vous dire qu'est-ce que vous en pensez, le futur de mes projets. Donc vraiment, c'est le plus gros, vraiment le plus gros projet de la chaîne. J'ai eu le plus gros projet, c'était par rapport à les films City Hunter vers l'été. Donc pour moi, c'était le plus gros. Mais là, c'est vraiment le summum. Là, je pense que c'est vraiment le plus gros. Bon, bah moi, je vous laisse. C'était Nick Larson et Faire Manga. Nous, on va se retrouver très vite vers une prochaine vidéo. Allez, c'était Nick Larson et Faire Manga. Allez, bye bye.